Il n'y a plus vraiment de groupe là. Pour moi, là, je pense que on est là, ça va être spécial. Là. Le fait que Jonathan parle maintenant aux caméras la nuit avec une carte à la main peut être un fait divertissant pour nous à l'intérieur et peut-être même pour les internautes insomniaques. Mais ça, c'est un nouveau fait que Christian a constaté hier soir. Et puis, donc, je pense qu'on va voir des changements de comportement. Est-ce que mon comportement peut changer? Salut. Je sais pas s'il peut changer. Je pense qu'il peut juste de devenir encore moins censuré. Et ça, c'est un danger. Mais, non, c'est ça, là. Qu'est-ce que je pense que ça placote, Eric qui est allé conter une belle histoire d'horreur à Christian, comme quoi là j'étais un grand traître et que je voulais le voir sortir de la maison. J'ai trouvé ça pertinent. Surtout que ce matin, il est super amical, voire même un peu colleux. On a fait des petites frittatas ensemble. C'était super passionnant. Mais là, c'est ça. Moi, j'ai goût de dire, d'avoir des conversations, exemple, avec Christian, Jean ou encore Vincent sur un autre joueur quand il est assis à côté. Ça, j'ai le goût de voir ça. Allez-vous le faire? Ben oui, je vais initier la chose. J'espère que les autres. Ben en fait, ils ont trouvé que c'était une bonne idée, mais est-ce qu'ils ont je sais pas si ils peuvent garder un sérieux en le faisant, mais ça serait de toute beauté de voir le monde commencer à comme, hey, ils se cachent même plus pour parler de nous autres là, tu sais, c'est comme si tu veux casser quelqu'un là, c'est une bonne façon de commencer, je pense. Justement, par mon autre Vincent un peu, le Vincent de cette semaine versus le Vincent des autres semaines. Le Vincent de cette semaine, en fait, qui est sorti de l'ombre, c'est comme ça que je le qualifie, a quand même toujours gardé sa propre motivation, une motivation qui en a probablement motivé d'autres et créé un certain courant, mais les gens se sont peut-être pas assez reconnus là-dedans, donc ont gardé leur esprit. Vincent, je pense qu'il a bénéficié, il a profité d'un passage avec une alliance, l'alliance des sept, jadis la famille élargie. J'espère que vous vous situez tous quand on parle de ce jargon. Je peux nommer des noms certains, mais je pense que ça va. Et puis là, Vincent, le fait qu'il s'est mouillé là vraiment jusqu'au cou, pas juste dans le spa, soit dit en passant, donc un eau froide cette fois-ci. Et là, ça ressortit et il est allé vraiment contre le courant, ce que j'admire grandement. Et est allé viser Eric, a voté avec son ventre, ses tripes et tout, le tralala. Donc, voici le nouveau Vincent en minorité. Donc, réflexe, venir rejoindre la minorité visible, soit Christian, Jean, moi-même, qui ont pas d'amis, dans le fond. Là, tu dis, amis, pas d'amis, pas d'amis. Genre. Sauf que, tu sais, je suis encore là pour les coacher sur une épicerie. On va bien manger cette semaine. Mais non, c'est ça. Vincent, il n'a pas le choix de le jouer comme ça. Et Vincent, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, lui, là, les pipi, caca, poil, je te conte une histoire qui veut rien dire. Je ris pendant une demi-heure sur quelqu'un d'autre qui rit. Je pense que là, lui, ça le fatigue et veut se dissocier de ça, essaie de dormir paisiblement. Et puis, ça jacasse pour probablement pas dire grand-chose. Fait que il a le goût de continuer à jouer. Je pense qu'on a déjà décelé chez Vincent un joueur et non un pensionnaire d'une garderie à 7 $ là, tu sais. Je suis bitch. Est-ce que tu lui fais confiance à Vincent? Je lui fais confiance jusqu'à un certain point.
Je pense que lui me fait aussi confiance parce que si je dis quelque chose, je pense que je vais le faire. Et puis, voir jusqu'à un certain point, je suis une menace pour Vincent. Mais là, les menaces, je veux dire, sont incontrôlables. J'ai beau vouloir sortir Christian, s'il est aimé à l'extérieur, il va rester. Et puis, s'il reste, c'est qu'il a sa place ici et que j'ai le goût de compétitionner contre ce genre de monde-là. J'ai pas le goût de compétitionner contre des pâtes molles. Et puis, parce que ça l'interréagit pas, ça fait des journées plates, des journées longues. Ça se minouche d'un bord puis de l'autre, puis... Écoute, je l'ai eu mon moment, moi, de minouchage. C'était assez aussi. On s'en était parlé. S'il fait rester, on aurait fait une belle crise de ménage. Et puis, je savais où aller la piquer, qu'elle aurait vraiment embarqué. Fait que, moi, la platitude, j'en ai pas dans ma vie. Et puis, je veux pas faire subir ça au public. Merci beaucoup, Vinny. On va suivre ça avec attention. Oh! Hey, savez-vous quoi? Ça, là, vous faites un focus là-dessus, là. Là, un matin, là, c'était le frigidaire, là. Il fallait tellement qu'il soit propre, là. Mais checkez bien ça, OK? Ça va être pissant. Tu sais, là, il y a tout le temps un petit contenant qui coule dans le fond puis qui va juter jusque dans le tiroir. Ça va arriver cette semaine. OK, bye, un peu de sérieux. Salut. Voyons, là, s'ils sont encore là-dedans! José, j'aime pas ça! Ta camisole! Faut que tu sortes ta camisole! Faut que tu sortes ta camisole, José! Tout est planifié! Tout est planifié! Il y a un jeu qui se passe, là! J'ai une extrême envie de pipi. Moi aussi, mais j'ai quasiment envie de bouger. Ça fait chier parce que j'avais habitué ma vessie à boire 8 litres d'eau par jour, puis là, j'ai comme failé, puis ça recommence. Ah, j'ai pas demandé si. Mais non, mais laisse-les jaser s'il veut jaser. Elle te l'a massacré, le bouton. On fout nous autres. Mais non, c'était un poil quand même. Je vais t'arracher là parce que je m'en fous de ça. Tu veux t'arracher le bouton? C'est le sas que je me demande. Le poil incarné, je sais pas. C'est ça qui compte pour moi. Faut demander. Tu peux fermer toutes les pièces, mais ferme pas le sas. Oh! Jessica! Ça, là...